Ah, j'ai regardé avec vous comment ça se manie, ça, parce que chaque leurre se manie différemment, hein, vous le savez. Alors on va essayer canne haute pour voir comment ça se manie. Je sens bien, hein. Et puis je vais baisser ma canne au fur et à mesure que ça revient vers le kayak. Ouais, bah ça n'a pas l'air très compliqué. Bon, bah écoutez les gars, c'est parti. Alors, attends, Mimi, 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 Mimi. Autant vous dire que ouais, l'hameçon de travers, ça change rien du tout. Voilà, mon minin, mon minin. Et ce qu'il y a de bien sur cette leurre, j'ai remarqué qu'il partait pas sous l'eau du tout. Ah purée, si c'est comme ça toute la journée, ça va le faire. Hein. Voilà, mon minin. Ah bah, va donner un petit peu de mou. Bon, il est pas vilain, hein. Il est pas, c'est pas un monstre, il est pas vilain. Oh, ce petit leurre-là. Merci Vrac Pêche. Merci, merci. Voyez, regardez avec l'hameçon de travers là, ça déséquilibre absolument pas le leurre quoi. Et je répète, il va pas du tout sous l'eau ce truc-là. Il va pas sous l'eau du tout. Les hameçons sont tout neufs, vous voyez, du 1-0, hein, c'est ce que je vous préconise depuis le début. Mais attention aux marques, parce qu'il y a des marques, bah, alors le 1-0, et ben autant vous dire qu'ils sont trop petits. Bon, mes mains sont mouillées, j'écrase pas la langue. Attends, je te remets à l'eau. Oh, il n'est pas énorme, mais pour un essai de leurre, c'est pas mal. Allez, hop! Attends. Oh les gars, c'est pas mal. On continue. Oh, mais ce leurre-là, il marche superbement bien. Je vais vous remontrer l'emballage. Alors, on est fin octobre. C'est bientôt le 1er novembre. C'est le 1er novembre d'ailleurs. Je dois être à Toussaint aujourd'hui. Alors, Mina. T'es pas content, hein? Toujours l'hameçon de queue qui prend, de toute façon. C'est toujours l'hameçon de queue. J'aime bien faire des essais de leurre, moi, parce que. Voilà. Il est largement maillé, mais ça va bientôt être la fermeture. Et voilà, c'est le troisième. Ils sont tous la même cote, hein. Ils sont pas énormes, mais je suis là pour vous montrer un essai de leurre. Monter avec des hameçons de travers. Mais enfin, pour l'instant, je répète, c'est que celui de queue qui tape, vous voyez, celui de queue. Bon, alors, je vais couper encore. Hein. Je vais pas le tripoter, les gars. Je vais pas le tripoter. C'est bientôt la période de fermeture, hein, chez nous. Voilà. Oh non, 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 non. Une grosse aiguillette, mais alors, purée, purée. Alors ça, quelle saloperie. Ah! Non, 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 je suis mal. Purée, non! Oh purée, décroche-toi! Décroche-toi, ben voilà. Là 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 là, non, 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 non. Ah, puis évidemment, c'est planté dans mon blouson. Bon, il est mort, vous me direz. Regardez cette bête. Oh, bon. On va déjà couper. Oh là 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 là
c'est des grosses aiguillettes. Je vais changer de coin parce que... Oh purée. Le petit ménage. C'est dangereux pour votre bas de ligne, ça. Et puis pour vous accrocher un hameçon dans... Un hameçon dans le doigt. Parce que là, il faut faire vachement gaffe. Oh purée. Attends, ne tourne pas, mon bas de ligne, Mina. Oh purée. Ah, ça pue ce truc, ça. Ouais, je change de coin, moi, c'est bon. La quatrième, je filme pas tout parce que, bon, mon petit leurre, il va bien. Je suis content. Bon, alors, je vais arrêter avec ce leurre-là, je vais passer à l'autre. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, il se manie très facilement. Il va pas sous l'eau, il reste bien, il fait son taf quoi. Là, il balance des petites gerbes d'eau. Bon, j'ai pris 3-4 barres, j'en ai fait monter. Bah, très bon, pour pas très cher. Alors, je vous remonte la marque. Hein. HTO, je sais pas quoi là, distribué par Vague Pêche. Il est fluorescent, c'est ça que je vois. Je vois qu'il y a des éclats de lumière là. Alors, il se travaille canne basse, avec des petites tirées, et il fait bien son job. Voilà, alors je vais passer à l'autre. Je vais passer à celui-là. L'autre, il a adopté. On va passer à celui-là. Alors, pareil, hein, je le monte avec des hameçons simples. Il est beau. Un très beau leurre. Voilà, non, il a distribué par Vague Pêche encore un. Je vais. Il me plaît bien celui-là, il a une belle gueule. Je vais être obligé de me dépêcher de bouger parce que je me rapproche dangereusement de la côte. Et on va essayer de voir déjà, première chose, comment il nage. J'espère qu'il partira pas sous l'eau. Hein. L'autre, il partait pas sous l'eau. C'est des leurres de surface, hein, c'est pas. Ah bah ça part pas sous l'eau, c'est parfait. Je pense que ça se manie canne un peu plus haute. Ouais, un peu plus haute ma canne. Canne basse, j'essaye. Ça change pas grand chose. Allez, c'est parti. D'entrée. Oh oui, c'est un bas. Oh purée. Oh oui. Qu'est-ce que purée les mecs, mais c'est ma première coulée, hein. Je viens d'essayer. Ah bah, un pour lui, hein, s'il vous plaît. Par contre, faut que je bouge. Et bah ça c'est adopté, hein, d'entrée. Waouh. Il est pour vilain. Il est pour vilain. Franck Périgot de Vrac Pêche, il va être content. Il dit tesser à ça. Waouh, purée, il est pas vilain. Bon, alors attendez. Quand il l'a engamé profond, ça me plaît pas. Hein. Oh, oui, il est pas vilain. Oui. Bon, attendez, les gars, je coupe, je reviens vers vous après. Une fois, deux fois, trois fois 21. Allez, je le remets à l'eau. C'est bientôt la reproduction. Hop. Il faut que je bouge de là très vite. On voit pas de. Parce que la GoPro, elle recule. Elle aplatit les vagues aussi. Il y a quelques vagues. Waouh. Alors. Tout ça pour vous dire que. Et je venais des premières coulées. Hein. Mon petit Noébi là, de surface. Il est gigantesque. L'autre aussi, mais j'avais pas fait de gros, là oui. Oh, sans mêler là-dedans. Bon, à plus de suite. Bon, bah c'est l'heure de rentrer, les gars. Alors, mon ressenti sur les deux leurres, là. Bah, j'ai déjà dit, hein, mais il se manie tout seul. Autant que pour l'Asturie, les Etclos, j'ai mis quelques sorties avant d'arriver à les manier comme je voulais. Ceux-là, il se manie tout seul.
Le premier, un peu canebasse quand même, hein. Un peu canebasse. Par contre, le deuxième, au début, canne haute. Le deuxième, donc le Noébi, canne haute, et puis en arrivant au kayak, je baisse ma canne tout doucement. Hein, voilà, n'oubliez pas que je suis assis moi pour pêcher, je pêche pas debout. Hein. Et si vous voulez me suivre dans les tutos de technique kayak, de technique pêche, de petites astuces, eh ben abonnez-vous. Likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt.